Alors, je poursuis le développement d'un synthétiseur d'horloge piloté par microcontrôleur. Deuxième partie, aujourd'hui, je fais toute une série d'essais pour valider le concept. Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu! Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. Alors oui, avant de saisir le schéma électronique, il faut que je m'assure que mon circuit va fonctionner. J'ai la chance ici, car le projet est suffisamment simple pour que je teste la grande majorité des fonctions sur plaquette sans soudure avant de produire une plaquette PCB. En plus, avec la librairie Arduino de fonctions pour le SI5351, ce sera assez aisé de vérifier cela. Alors, sans plus tarder, voici le montage sans soudure et les essais de validation. Alors, je parle tout de suite de l'alimentation. C'est une plaquette qu'on trouve évidemment sur des sites asiatiques. Là. Plaquette qu'on alimente avec un USB dont on retire le 5 volts. Il y a un régulateur 3,3 volts sur la plaquette. Il y en a un autre de 5 volts si on alimente avec autre chose comme 8, 10, 12 volts. Là. Mais lorsqu'on utilise l'USB, il n'y a rien. Du côté 5 volts, c'est directement branché. On a des petits interrupteurs qui nous permettent de choisir 5 volts ou 3,3 volts sur nos deux rails ici. Alors, j'ai choisi 5 volts sur le rail à gauche et 3,3 volts sur le rail de droite. Et bien sûr, pourquoi? Parce que l'Arduino Nano fonctionne à 5 volts. Donc, j'ai pris le 5 de ce côté-là. Et le reste du circuit fonctionne à 3,3 volts, c'est-à-dire la plaquette, mini-plaquette SI5351. Alors, bon, le premier essai, c'est effectivement le plus simple, c'est d'essayer la mini-plaquette SI5351A que j'ai bien décrit dans ma vidéo numéro 244. Je l'ai même fait fonctionner, mais je vais le refaire ici aujourd'hui à nouveau. Alors, on lui fournit une alimentation 3,3 volts, ça c'est simple. Au niveau du contrôle, donc, le bus I2C, j'utilise cette mini-plaquette ici au centre, qui est la plaquette de conversion bidirectionnelle, j'insiste, bidirectionnelle, donc dans les deux directions, pour une conversion de niveau logique. Celle-là, je l'ai décrite dans ma vidéo numéro 264. Je vous fournirai les liens dans la description sous la vidéo. Alors, c'est simplement 4 transistors MOSFET parce qu'il y a 4 canaux, 4 voies sur cette mini-plaquette. On va en utiliser 2. Il y a des résistances et, bon, donc un transistor MOSFET pour chacune des deux lignes. Et donc, on a SDA et SCL, les deux signaux I2C, que je passe à travers la conversion 3,3 volts. Ce côté-ci de la mini-plaquette est alimenté 3,3 volts et ce côté-ci est alimenté avec le 5 volts du rail. Alors, on fait la conversion 5 à 3,3 volts à travers cette mini-plaquette, puisque l'Arduino Nano, bien sûr, a des niveaux logiques de 5 volts. On ne peut pas envoyer ça, ni espérer communiquer avec la mini-plaquette qui, elle, est alimentée à 3,3 volts. Alors oui, Arduino Nano, copie asiatique, 2$, 3$, 3$, 4$, je ne suis plus certain, mais vraiment pas cher. Elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Alors j'utilise les broches A4 et A5, donc 4 et 5. Ce sont les mêmes broches utilisées sur un Arduino Uno. Là-dessus, il y a compatibilité, donc c'est assez simple. J'alimente aussi le côté 5 volts de la conversion. Plutôt que de le prendre ici sur le rail 5 volts, en réalité, je le prends du côté du 5 volts ici sur l'Arduino Nano, puisque son 5 volts d'alimentation vient de l'autre port USB. D'accord? Vient pas du port vient pas de cette alimentation-là. Alors, alimenté directement par USB, je retire de la broche 5 volts le 5 volts que j'envoie à la mini-plaquette ici. Donc, c'est vraiment le 5 volts vient d'ici et le 3,3 vient d'ici. Bon, alors, le montage est très simple, comme vous voyez. SCL dans SCL, SDA dans SDA. On passe à travers la mini-plaquette, conversion, contrôle. Alimentation 3,3 vient d'ici. L'Arduino est branché sur l'ordinateur, bien sûr. Ici, ça pourrait être branché uniquement sur un bloc d'alimentation 5 volts. Ça n'aurait pas d'impact. Alors, montage assez simple.
Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de le mettre sous tension et de programmer l'Arduino, tout simplement. Ce que je fais à l'instant est de 1 et de 2. Alors, pour les premiers essais, j'utilise une librairie qui s'appelle EtherKit SI5351 par Jason Mildrum. Alors, je m'excuse pour le contraste, c'est pas très clair. EtherKit, un seul mot, SI5351. Mais si vous tapez SI5351 ici, dans le gestionnaire des librairies que vous aurez dans Sketch, bien sûr, vous trouverez tout de suite en tapant ce mot-clé, vous trouvez la librairie EtherKit SI5351 que vous installez, bien sûr. Alors, dans un de ces exemples, il donne ici le SI5351 souligné exemple. Example, d'accord? Et c'est cet exemple que j'utilise. Alors, on s'assure bien sûr, comme habituellement, de choisir Arduino, dans ce cas-ci Arduino Nano, et que le port soit bien sélectionné. Je vais le télécharger tel quel, ce petit code logiciel, et ça va simplement utiliser les instructions de Jason Mildrum, qu'on va se servir même plus tard dans le projet. Donc, pour mettre la fréquence, bien, c'est tout. On envoie juste une commande ici, comme je vous l'avais mentionné, et ça va sortir sur la sortie 0. Ici, il configure une deuxième sortie sur la sortie clock 1 à 175 MHz aussi. Alors, on lance ce transfert. Alors, on s'assure bien sûr que le bon port est sélectionné. Ici, c'est TTY-USB1 dans ce cas-ci, et on fait le transfert. Voilà, c'est fait. Alors, lorsque c'est terminé, on peut venir sonder la sortie 0, tout simplement, avec une sonde d'oscilloscope sur la mini-plaquette. Et on obtient à l'oscilloscope ce signal de 14 MHz. Voilà, une onde carrée à 14 MHz. Vous pardonnerez les petites oscillations et tout ça, là. C'est évidemment un long fil de mise à la masse sur la sonde, là. Mais on voit bien la sortie onde carrée avec une amplitude de près de 3 volts. Et rapport cyclique de 50%. Ça, c'est la sortie à 14 MHz. Si je transfère maintenant sur la sortie 1, juste à côté, encore une fois, vous pardonnerez là, la mise à la masse et tout, mais vous verrez ici que ça affiche 175 MHz ou tout près. Là, voyez? Alors, la sortie 2 fonctionne aussi. Elle a une amplitude plus faible, ceci dit, mais avec l'arrangement que je suis branché, pas de terminaison, rien. Ce n'est vraiment pas idéal. Mais c'est juste pour vérifier au moins que le circuit fonctionne. Donc, le plan qu'on a ici, la planification qu'on a faite du circuit, bien, elle est bonne. Et on peut maintenant penser à tester un SI5351C. Alors, pour ce qui est du SI5351C, bon, l'Arduino est juste ici, là, il est hors champ. Mais je n'ai pas rien touché jusqu'à la plaquette de conversion. J'ai simplement retiré la plaquette SI5351A qui est ici. Je l'ai retirée. Donc, le I2C n'est plus branché sur cette plaquette. Et j'ai branché le I2C allant vers le SI5351C qui est juste ici, au centre de cette plaquette d'essai. Donc, boîtier QFN soudé en plein centre. Et bien sûr, toutes les broches sont ici, les 20 broches. Donc, je me suis branché, j'ai branché les bonnes sorties pour alimenter la sortie 0, 1, et même 2 est branché, mais on ne sortira rien. Donc, les sorties sont alimentées, le I2C est bien branché sur les bonnes broches, l'alimentation 3,3 volts, bien sûr, et la masse, ainsi que le signal 25 MHz. Sur la petite plaquette SI5351A, il y avait un petit quartz juste ici à côté du SI5351. Un petit quartz. Alors, il faut que ça soit placé très très près. Et plutôt que de mettre un quartz sur une plaquette comme ça sans soudure, c'est pas l'idéal. J'ai utilisé une autre méthode. J'ai utilisé un oscillateur de 25 MHz. Tout simplement. Oscillateur de 25 MHz, alimenté à 3,3 volts lui aussi. Et il envoie un signal de 25 MHz sur l'entrée cristal, l'entrée quartz, à travers un condensateur de couplage pour bloquer la tension CC.
Et ça, c'est bien correct. Ça remplace tout simplement un quartz. Donc, oscillation à 25 MHz. Et lorsque je redémarre, réinitialise le programme de l'Arduino en pesant sur le bouton réinitialisation, reset, bien là, maintenant, il configure ce SI5351C. Et si on regarde sur la sortie, on voit bien que c'est un signal à 14 MHz et d'une amplitude de 3,1 volts avec un rapport cyclique de 50%. Donc, on a exactement le même résultat avec le SI5351C qu'on avait avec le SI5351A. Donc, le branchement général fonctionne bien. Il n'y a pas de difficulté. Il nous reste maintenant une chose à vérifier, c'est de lui injecter un signal externe. Et là, je vais utiliser le SN65LVDS34 qui est juste ici. Alors, pour faire cet essai, plutôt que d'utiliser une référence de 25 MHz, j'utilise une référence de 10 MHz. Alors, voici le SN65LVDS34 monté sur une petite plaquette d'essai, bien sûr. Il faut brancher ça sur ma plaquette sans soudure. Et j'arrive ici avec un signal de 10 MHz venant d'un générateur HF, amplitude 100 mV RMS. Donc, c'est assez faible. Et bon, la masse, bien sûr, du signal arrive ici. Alors, je passe à travers un condensateur de couplage pour bloquer le CC, bien sûr. Le branchement est fait exactement comme je vous l'ai montré dans la vidéo 279 FPGA partie 6. Je vous montre comment utiliser une entrée LVDS. Alors, on a une terminaison de 100 ohms. Bon, j'ai mis 120 ici, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc, on passe à travers un condensateur, on rentre sur l'entrée directe. Et l'entrée complémentaire, elle est couplée à la masse, tout simplement à travers un condensateur. Alors, tel que décrit dans la vidéo. Et la sonde d'oscilloscope, elle est branchée sur la sortie du SN65LVDS34. Je me suis mis une masse, bien sûr. Et vous voyez à l'écran un signal de 10 MHz, onde carrée, de 3,2 volts d'amplitude. Et donc, notre petit signal de 10 MHz sinusoïdal est devenu une onde carrée de 3,2 volts. Vous pardonnerez les petites crêtes, les petites pointes, avec tous ces branchements un peu tout croche. Les mises à la masse ne sont pas idéales, il y a des réflexions et ainsi de suite. Alors, ce signal de 10 MHz que j'envoie à l'oscilloscope, je vais aussi l'envoyer dans l'entrée référence du SI5351C. Voilà, c'est fait. Si je transfère sur le SI5351C, ma sonde d'oscilloscope, comme cela, vous voyez à l'écran une sortie à 14 MHz. Même chose qu'on avait précédemment, sauf qu'on utilisait l'oscillateur de 25 MHz. Maintenant, on utilise la référence de 10 MHz pour fournir le signal de 14 MHz en sortie. Et si on regarde le code source pour cela, c'est pas tellement complexe. J'ai fait simplement ajouter la partie qui configure l'horloge externe pour être une horloge de 10 MHz. Donc, il s'attend à obtenir une horloge de 10 MHz sur son entrée de référence externe, et donc pas le 25 MHz par défaut. Et je choisis la référence externe pour alimenter notre PLLA, qui est le premier PLL, celui qu'on se sert pour fournir la sortie à 14 MHz. Donc, spécifie la fréquence d'entrée de référence externe, choisis cette référence pour piloter notre PLL, et la sortie, elle, utilise le PLL A et fournit une sortie de 14 MHz, qui va être verrouillée sur l'entrée 10 MHz. Alors ça, c'est essentiellement ce qui se passe avec notre code, et vous avez vu que ça fonctionne très bien. Je vous avais mentionné que dans cette vidéo, je ferais des essais de circuits et que je vous montrerais le schéma électronique. Bien, je me suis bien rendu compte assez rapidement que les essais ont pris suffisamment de temps pour remplir la vidéo à eux seuls. Donc, le schéma électronique du projet, ce sera pour la vidéo partie numéro 3 de la prochaine. Alors, je vous invite à demeurer à l'écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à la prochaine!